Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Saint-Domingue, t'es gen même problème nan. Le coronavirus la pas le terrain. Yo te renvoyé date élection yo, mwen yo te fait élection yo un mois et demi plus tard. Et que les pou yo te fait, pas de aucun parle en pile de ça. C'est même réalité qui présenté dans pays d'Haïti, gen deux mutations qui fait criver dans pays a qui 70% plus contagieux. Les entrées sous fait partie de catégorie vulnérable la tout yo vite, c'est mutation Brésil là avec mutation Angleterre là. Donc il tout à fait normal que autorité sanitaire yo, cellule scientifique là, c'est dit conseil électoral là font un petit pèse frein par rapport à 27 juin. Donc certain que yo va le font réévaluation qui date cap pi bon en fonction de disposition qui prend par rapport à deux mutations dangereux coronavirus ça qui entrer dans pays. Probablement première semaine, deuxième semaine d'août les ça yo va le faire référendum. Pas quoi gros problème, c'est domaine te renvoie élection pas de problème pour coronavirus. Haïti c'est même bagaille, il renvoie élection peut-être pour un mois à cause de coronavirus. Deuxième partie que m'a répondu dans l'échange qui était dans congrès entre secrétaire d'état américain Blinken et comité relations et international chambre des représentants. Moi même en général l'aime parler, me veut que jeune captain de là apprendre un bagaille. Ouais ou même là qui sont jeunes qui ont 18 et 30 ans, faut apprendre fonctionnement monde là. Sou pas apprendre fonctionnement monde là ou pas carte défendre intérêt pays d'Haïti demain matin sous vin ministre des affaires étrangères ou vin ambassadeur ou bien ou vin chef de l'état. Donc faut que vous même vous comprenne Jean monde là fonctionner qui fait qu'on ca défendre intérêt pays d'Haïti. Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines té réussi calé Napoléon et yo craser système mondial qui existait à qui était chita sous l'esclavage, c'est parce que non seulement yo té konn comment monde l'an fonctionné, yo te vin plus fort que blanc yo dans sa blanc yo tap. Donc ou même capitan de là, prend mentalité ça, moun ki en compétition avec ou yo, non seulement faut apprendre konnen yo, faut vin plus fort passer. C'est ça Toussaint Louverture à Dessalines qui était comme héritage pour nous. Toussaint Louverture, le premier des diplomates haïtiens. Ou te gade Jean joué dans camp français a, pour joindre la libération générale des esclaves, bon côté rive le bloqué, il traversé dans camp espagnol là. Pendant le camp espagnol là, la négocier avec anglais toujours dans même objectif là joindre la libération générale des esclaves. Monsieur Tevin puis faut passer blanc yo dans diplomatie blanc. OK? Donc dans pays d'Haïti, faut faire partie de l'école turien des salinier en matière de ça et de diplomatie. Bon l'autre école qui sont l'école des blancs parler tout nèg rentré que en bas avant. Ça a mêlé l'école diplomatique anarcho populiste là. C'est l'ik ban nou embargo, c'est l'ik ban nou occupation militaire pendant 35 ans qui sont passés là. OK? Ceci dit, en dans gouvernement américain bien ça relé élaboration de politique étrangère. Pour qu'à comprendre politique étrangère des États-Unis, faut ou même comme jeune qui a étudié relations internationales ou sciences politiques, ou à chercher sur internet là et ou à joindre parti public là qui c'est National Security Strategy of the United States, document de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Il y a un aspect militaire, il y a un aspect économique et il y a un aspect diplomatique. Son document qui est élaboré, qui a une bonne projection de 10 à 20 ans de qui sa diplomatie américaine n'a pas fait en Afrique, en Amérique latine, en Caraïbes, en Europe et en Asie et l'Afrique. En dans gouvernement américain, qui j'en ai élaboré politique étrangère en dans gouvernement américain? Département de la Défense by Lidl, et département d'État by Lidl, et département du commerce by Lidl. Ensemble, ça les départements boïciens. La kay nou nou rele au ministère. Chaque ministère ou bay ki jan yo wè dossier. Kou li a an dan gouvernement américain, département d'état c'est li responsable pour mener diplomatie américaine nan. Mais dans chaque ambassade des États-Unis à l'étranger, gen plusieurs branches an dan gouvernement américain qui présent dans ambassade américaine nan quel que soit côté li a. C'est pour ça dans ambassade américaine Port-au-Prince, bon section économique, bon section politique, bon section culturelle qui lié avec institution en d'ambassade là des monde qui représentait FBI là des monde qui représentait CIA qui là tout cap collecter information. Donc
bon gens organiser la diplomatie américaine. Quand il y a tout ministère ça au fin par l'idée dans l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis, soit par rapport à Haïti, soit par rapport à Saint-Domingue, soit par rapport à Chili, soit par rapport au Brésil, bon côté on va faire ça aller la coordination pour décision finale là. Après. Décision finale là en matière de politique du président des États-Unis au niveau diplomatique en fonction de président qui l'a, lui fait en dans Maison Blanche. En dans Maison Blanche là qui fait coordination, un bureau qui est très important, c'est le qui plus important qui fait coordination dans le gouvernement américain, il est le National Security Council, NSC en anglais, en français NSC. Mais c'est pour ça même comme étudiant, il faut étudier comment le département d'État structuré, parce qu'en dans le département d'État, il y a à peu près 72 bureaux différents, il y a chaque rôle. Et les sautes dans le département d'État, ils sautent la défense, ils sautent tout côté pour le sortir, c'est dans le NSI. Donc effectivement, dans le gouvernement américain, gagner ça relais, le président fait crise, il y a fait révision ou évaluation politique étrangère par rapport à mon pays. Il y a fait par rapport à Haïti, par rapport à Cuba, par rapport à l'Iran, par rapport à la Syrie. Et par rapport au Venezuela, donc, en d'un congrès américain, il y a M. Blanco Cusio qui est proche et deux, trois mouns de Port-au-Prince qui a fait pile pression sur l'administration américaine nan, pour garder est-ce qu'il y a dû changer la politique par rapport à Haïti. Dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que il y a une pression qui a fait dans le congrès sous le secrétaire d'État qui devait répondre à une question devant la Commission Relations Internationales pour demander lui. Est-ce que il va changer politique yo par rapport à Haïti? Est-ce que en dans le gouvernement américain, gon décision finale qui prend sous question haïtien et dans réponse secrétaire d'état, yo dit yo va regarder qui ça aura parce que faut pas oublier que guide régional là tout en matière de démocratie, c'est la charte démocratique de l'organisation des États américains qui c'est guide régional là même l'ob défend l'intérêt obligé respecter souveraineté nationale pays. Les présidents privés étaient là, des présidents, et gouvernement américain pas voulu que privé comme gouvernement de facto annuler résultat élection présidentielle 2015-2016. Et pourtant, privé, malgré département d'État pas voulu, l'idée annuler résultat et qu'il y a une nouvelle élection qui fait. Donc, dans ce sens, on va regarder en d'un gouvernement américain comment politique par rapport à Haïti a évolué et qui décision finale qui prend. C'est dans NSI. Les décisions en prend finale de conseil avec le département d'État, on va regarder qui s'allie. En même temps, tout dans le pays d'Haïti, il ne faut pas oublier qu'il y a deux écoles politiques. Bon, l'école politique depuis blanc, Dion Bagay. Bon, il n'y a pas à terre. Et bon, l'autre école politique, blanc a défendu l'intérêt. Il va prendre décision de diplomatie en fonction de l'intérêt qu'il a défendu dans le pays. Et pour l'administration Biden, non, Haïti délicat. Parce que Biden dit que comme président des États-Unis, la goumé contre le racisme systémique. Et puis pendant l'ab dit que la goumé contre le racisme systémique, il va pas prendre une décision côté l'ab dit, et c'est nous qui avons dicté et ça pour nous un pays d'Haïti fait pour l'avenir. C'est pays à lui-même qui doit décider qui ça qui est bon pour l'avenir. Et consensus général là, en dedans pays, là, c'est que la constitution 1987 là, dysfonctionnelle. Et en fonction de dysfonctionnalité que ni opposition, ni société civile, tout le monde reconnaît, il faut que la constitution change. Et seul monde qui a changé la constitution, c'est le peuple à travers le bulletin de vote. Donc si le président Biden paraît, il dit par exemple, il ne peut dire ça, non. S'il paraît, il dit, bon, et nous pas qu'à faire ça, est-ce que vraiment la lutte contre le racisme systémique? Ça, son bas intéressant, son dossier qui va évoluer. Nous allons regarder la évolution. Son position qui a fait dans le Congrès américain, entre la Commission Relations Internationales là. Et secrétaire d'État américain. Secrétaire d'État américain, je vais répondre non. Et ça veut dire que en matière de politique des États-Unis par rapport à Haïti, pour qu'on ait une décision formelle qui prend, c'est des congressmen qui ont essayé de pousser le long direction. Mais lorsqu'on monde qui connaît l'administration américaine et comment politique publique aux États-Unis élaborée, par exemple, élaborer une politique publique pour un pays en un département d'État, dans le cas pas nous, qui c'est l'Amérique latine, il a commencé dans les WHA. Western Hemisphere Bureau. Après ça, le monter dans Policy Planning. C'est là qu'il a fait élaboration politique publique. Là. Après ça, le monter dans Under Secretary for Political Affairs. Et lui-même, il a input. Li. Après ça, arrivé dans le bureau secrétaire d'État. Où il y a l'air au fin d'accord sur un approchant dans le département d'État. Là, il a monté dans National Security Council dans Maison Blanche. Nous, beaucoup là. Bon, moi-même, je demande à chaque monde de regarder les vidéos. Et non pas quelques journal qui vient de faire conclusion ça.
Mais lorsqu'on qui j'ai élaboré la politique américaine, où est que la politique publique des États-Unis par rapport à Haïti, il faut formellement changer l'administration américaine. Là. Une culture anarcho-populiste qui existe dans le pays. Anarcho-populiste, là, depuis l'étranger a dit ha, il commence à ramper. Ok, faut pas oublier que, par exemple, sous gouvernement privé, le département d'État a dit que il pas voulu que privé annule les résultats de l'élection 2015-2016, élection présidentielle, privé a annulé. Il va même n'exagérer qui te reconnaît l'élection que privé te faire. Frem, il y a deux bagailles pour reconnaître. Et c'est ça là qu'on populiste par contre. Étranger a un intérêt qui la défend en Haïti. C'est responsabilité gouvernement, pas nous, tout pour nous défendre l'intérêt pays d'Haïti. Mais 34 ans de diplomatie béton de anarcho-populiste fait un pile monde oublier que pays d'Haïti son pays qui est lié, lui doit prendre des décisions en fonction de sa représentation intérêt national pays. Donc, dans ce sens, ça, moi, je pense que diplomatie béton, là-bas, la slack rase nous en pile pendant 34 ans. Nèg yo siyen pour mettre en bas gros sous pays, nèg yo siyen pour mandat d'occupation, et nèg yo rampe en pile par rapport à ça, tout Saint-Louvet et Jean-Jacques Dessalines te quitté pour nous, nèg yo allé dans la direction contraire. Et Salvador qui sous côté nous là, li appliqué l'État, dirigeant l'État au Salvador, yo applique une politique Salvador, une stratégie politique contre gang yo insécurité, parce que gon équipe gang qui rele MS-13 au Salvador, c'est sans peuple qui t'a fait couler. Ok? Et Salvador a appliqué une politique qui est la politique main dure. C'est sa stratégie. Non, stratégie, c'est la politique main dure. Ok? C'est lui-même qui a appliqué. Il a diminué l'insécurité dans le pays de 75% en moins d'un an. Il a cassé les gangs. Il y a au moins 500 gangs MS-13 qui sont en prison. Pas de monde qui dit prisonnier politique. Exemple États-Unis. Moi, même position très claire, il m'a prédit encore. Je dis, pendant que je parle avec nous là, ça fait 36 mois que si base malheureux qui gagne gang ou bien bourgeois qui a financé gang, ça fait 36 mois qu'il a fait 100 peuple à couler. 36 mois que nous a fait 100 peuple à couler, nous avons fait gang et nous avons fait insécurité. Pas bon monde dans le pays qui a conscience que bagay ça pas bail de l'eau nanger et révolté. Regardez ça, nous avons fait dans Matissan, ça nous avons fait dans Cité Soleil. Ça n'est pas fait dans la Tibonite, ça n'est pas fait dans Grand Ravine. Pas aucun citoyen ou citoyenne pays qui a conscience que bagay ça n'a pas mettre de l'eau dans le jeu qu'il n'a pas de tristesse. Dans tout pays côté passé, dans le monde là, les situations ça a présenté, on côté l'État pas qu'à grien dans avec. Quel bourgeois qui n'a pas gang, nan? Quel si malheureux qui n'a pas gang, nan, qui n'a pas base là, l'État pas qu'à grien dans bagay ça. Et c'est pour ça moi-même, je répète la solution. On entre dans la police, nan, ou chercher 400 policiers qui comptent goumen et qui pas fait goumen. Ou entre dans l'armée, ou prend 200 soldats sous officier l'armée qui compte goumen. Ou font un commando spécial de 600 hommes. Ou baillez tout équipement à armes qui ont besoin pour faire travail là. Ou vous chercher spécialiste Équateur, spécialiste Colombie, spécialiste Salvador, qui compte goumen contre gang et qui compte détruire gang, qui est au bourgeois, qui est au malheureux. Ou faire venir entraîner pendant à peu près 21 jours, commando spécial ça, qui a 600 soldats. Et policiers là, et soldats de l'armée, et policiers, police nationale là-dedans. Et au fin de recevoir formation spéciale là, qu'il y a commando ça, libre aller, on série des zones pour détruire gang. Quel gang, quel bourgeois qui n'a gang, quel malheureux qui n'a gang. Lorsqu'un commando spécial ça, mais qui j'en ai opéré, ok? Et chaque membre commando a toutes armes qu'il a besoin pour arrêter ou bien maîtriser gang. Nan. Ok? Quel bourgeois, quel malheureux, quel classe moyenne. Pour y a l'opéra l'opéré dans une zone, ok? On dit c'est ma 600 opérations pour le fait, commando 600, qui gagne 600 policiers, soldats là dans l'Ival Matissan pour l'opérer. Trois jours, quatre jours à l'avance, ou couper de l'eau, ou couper courant, ou couper téléphone, ou couper trafic dans la zone là. En général, les opérations ça y a fait, ils ont fait entre 10h30 du soir, 2-3h du matin. Parce que, par exemple, mon équipement spécial qui commande ça a doué gain. Équipement ça a les gagoles. Ça veut dire que son tilinette dans la nuit, dans l'enfer noir, ou est un coup dans la journée. Tandis que gang n'a pas gain, il n'a pas gagné lui-même. Et c'est qu'on se voit grand gang, il y en a pris l'autre. Ou bien doit tout acheter pour commande ça a 2-3 petits drones. Et gain 2-3 petits drones qui gagne mitraille 50 sous yo, pour que les gains résistance dans la zone, c'est avec petits drones ça, c'est 130 secondes qu'on élimine tout ça camp en face. Si vous voulez et remettre Zamio, il y a tiré sous la police. Pas mon bagaille, c'est 36 mois sans peuple à couler dans le pays. Son bagaille qui est inacceptable que lié. Sans peuple à bagaille continuer à couler. Un gang armé qui a cherché un espace. Et débouché sous
blocage, taxes, mazissant, mariage. J'en dis là, ce n'est pas une opération la police qui a mené, en conséquence de conflit de rien. On l'a bloqué pendant quelques temps, deux ou trois jours. Bandit a tiré des deux côtés de la route. Il était pris un petit temps pour la police comprendre ce qui s'est passé et monter en opération pour ouvrir route là à la circulation. Je connais lui, son outil important pour le pays, il bloquait quatre départements qui impactent sa gagne sur l'économie pays. La police prend disposition pour, avec toute sa réunion, passer sur route là, mettre au niveau de Port-Aéogan jusqu'à Pomia-Nibolos des unités de police administrative et à partir de 4e, 5e avenue Mansissan jusqu'à Fontamara, mettre des unités spécialisées pour que l'unité qui protège la blindée assure fait va-et-vient dans AXA, augmenter la présence policière à partir de Fontamara jusqu'à Misoton. Et Noël, depuis samedi jusqu'à semaine ça, la circulation commence à reprendre. Nous faisons un panneau. Mais la police n'est pas qu'à seule sur AXA. Parce que la question de sécurité, c'est mon travail de la police seulement. Nous avons besoin d'accompagnement de tout le monde. Travaux publics pour faire travail par nous, nous commençons. Entité qui est impliquée dans l'ambassade d'ordure dans le pays, nous invitons à accompagner nous. Violence qui a fait là, c'est pas la police qui a fait, c'est les bandits qui a fait. Ni provoquer déplacement des gens dans la zone. L'État a supposé aller ça. Ils ont continué des gens qui déplacent des cailloux à cause de bandits à rendre la rue utilisée. Mardi, la police a fait travail par eux. Ni besoin d'accompagnement de toute bonne entité. Mais besoin de tout poser des questions. Gang armé dans le paysage. Sans réaliser la capitale, mais ma petite sont vérité. Nous sommes forces de police. Même force de police, nous besoin de nos sécurités pour ta baille sécurité. Niveau de violence, ça fait là, il est anormal et société a supposé soulever mon nom. Nous-mêmes, les journalistes, nous faisons partie de la société. Pour nous sortir, pour nous travailler, pour nous sortir, pour faire activité par nous. Mais nous ne pas senti révolte ça en tant que société. Nous avons cherché qui ça la police a fait, la police a supposé rendre compte de l'activité. Mais qui est ce qui dit? Nous gagnons autour de la zone métropolitaine plus de 22 gangs qui armés, cap. Rançonner les gens, tuer les gens, kidnapper les gens. Nous avons des gangs qui ont attaqué le commissariat de police, bien entendu, le commissariat plus faible. Ils ont attaqué l'antenne sous-commissariat de Bouillard. Ils ont assassiné lâchement un inspecteur de police. Ils ont attaqué le sous-commissariat de Bouillard, Saint-Joseph, pardon. Ils ont assassiné les policiers. Et jusqu'à présent, nous sommes à la recherche des cadavres. Je parle de révolte dans la société. Je parle de nous. En tant que chef de police, je fais travail dans une position difficile, mais nous faisons partie d'une société. Quelle est la position de la société par rapport à cette situation? En tant que policier, premier policier, je suis révolté. Et je demande, j'exige l'appui de toute la population, incluant les journalistes. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer cette situation-là. Policiers, nous avons cherché. Nous avons commencé à occuper le commissariat. Douya, Duvivier, Cité Soleil, Mansissan, nous avons pris disposition pour renforcer la sécurité, mais nous ne pouvons pas rester raccroissés. Nous allons continuer à traquer ces bandits pour nous remettre la justice. Parce que la police, en tant que force qui gagne le monopole de la violence légitime, nous ne pouvons pas nous comporter nous-mêmes à bandits.
nous avons pour obligation pour nous faire une réponse, protéger les policiers, demander les policiers, si au moment ça, nous avons une situation difficile, le destin voulait que c'est nous là. Le destin voulait pour nous chiter ensemble, pour nous renforcer, nous protéger les gens, pour nous protéger sur la population. Ma politique, mais ma dîme, gardez que nous sommes venus. Nous avons une culture d'acceptation de gang. Dans la société, ça, chaque monde qui a un business, il cherche les bibliothèques dans le quartier pour la sécurité. Regardez, dans la zone de non-droit, quand on paye le business, mais vous protégez par qui? Non par la police, mais par les gangs armés. Donc, en tant que société qui s'en dit, qui s'en a fait, nous acceptons. Rôle, moi, en tant que commandant-chef de la police, c'est assurer que la police est en sécurité, donc la base de sécurité. Masse, ça. Douya, Portail Saint-Michel, Duvivier, ils ont, ces commissariats ont aidé sur une attaque systématique des gangs armés. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord?
Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.